Non, c'est pas possible, excusez-moi, mais on n'est vraiment pas intéressé. Pardon? Vous parlez français, non? Je ne sais pas ce que vous vendez, mais allez le faire ailleurs. Non, je crois qu'il y a un malentendu, je suis pas vendeur. Ça vous fait rire en plus? Mais écoutez, j'ai vraiment pas de temps à perdre, soit vous partez, soit j'appelle le gardien. Calmez-vous, je suis pas vendeur, vous m'avez même pas laissé finir je ma phrase. Je supporte pas les gens comme ça. C'est quoi ces prospectus? Ça, c'est le courrier, je viens juste de le ramasser par terre. De mieux en mieux, vous volez le courrier des gens maintenant. Quoi? Mais pas du tout, je l'ai juste récupéré, c'est par terre. Taisez-vous. Oui, allô? Oui, je vous ai appelé tout à l'heure pour une plainte à propos d'un de vos employés. Bon, c'est pas de ma faute s'il ne fait pas son travail. Mais écoutez, c'est simple, soit vous le renvoyez, soit vous perdez une cliente. Vous vous foutez de moi, vous êtes encore là? Je peux vous dire la même chose, hein? J'habite ici, figurez-vous. Maintenant, si vous voulez bien me laisser faire le code. Qu'est-ce que vous avez fait? La porte ne s'ouvre pas? J'ai rien touché. J'attends qu'on m'ouvre depuis tout à l'heure. Bah vous allez attendre longtemps si vous allez casser la porte. Mais les gens, je te jure. Vous êtes incroyable, hein? Jamais vous vous remettez en question? Pardon? Je comprends pas le rapport, là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez arrêter de toucher n'importe quoi et moi, je vais appeler le gardien pour qu'il vienne m'ouvrir. Oui. Faites donc ça. Ça sonne. Désolée de t'avoir fait attendre, il y a encore quelqu'un qui a dû bidouiller, j'arrivais pas à t'ouvrir de là-haut. C'est pas grave. Bonjour, je peux vous renseigner? Qu'est-ce qu'elle veut? Ça va? Ouais, je t'expliquerai. Ok.